Bonsoir, bonsoir l'équipe, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Donc voilà, voilà les gars, c'est comme promis, 30 likes. On fera le tirage au sort de 1 million de kamas. Donc voilà, on a 39 likes ici. Donc c'est comme promis, le tirage au sort, ce sera à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin. Bonsoir, bonsoir les gars, comment ça va? J'espère vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, je vous montre une astuce karma super super efficace. Comme vous le voyez ici, on va faire aujourd'hui les bagues de corruption. Putain, ça peut, ça part très 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 bien. Ça donne, regardez les gars, ça donne 7 de critique, des dommages de critique. Par contre les gars, ça a l'air ultra difficile à faire, puisque toutes les runes les gars sont importantes, genre t'as pas les dommages critiques et tout, enfin les résistances critiques, les résistances fixes et tout. Donc franchement toutes les runes les gars sont importantes, donc ça me l'air ultra difficile là. Enfin de toute façon on va checker tout ça juste après. Donc le craft normalement ça coûte 1 million, on va checker ça. 400, 500, 600, 700, 700, 700, 700, 700, allez 800, 1 million 8, 1 million 8, et ça, ça 2 millions, enfin 200 000 kamas, ça fait 2 millions kamas, 2 millions 70 000 kamas, un truc comme ça, mais grand max 2 millions 1 les gars, vous allez voir, ça coûte. Ça coûte un petit peu cher en HDV. Donc j'ai combien de kamas sur moi? J'ai 5 millions les gars. Donc je vais crafter 2. Ça me l'air pas mal. 2. Franchement c'est pas mal. On va faire genre je ne sais pas, 1 million 6, 1 million 7 de B9. Franchement très très bon B9. J'ai pas checké l'HDV. Je ne sais pas combien ça coûte. En tout cas je faisais souvent ça les gars, 1 million 6, 1 million 7, 2 B9. En craftant seulement 2 les gars, 2 items, t'as 1 million 7, 1 million 6, des fois, 1 million 8, des fois 1 million 5. De toute façon on va checker tout ça après. Donc voilà les gars, je vais crafter 2, j'ai 5 millions et on se retrouve à la fin pour voir est-ce que j'ai raison ou pas. Re les gars, donc voilà voilà pour le craft, j'ai crafté les deux bagues. Allez on va la faire directement. J'espère les gars ce sera facile, mais j'ai un petit doute. Donc allez, désolé les gars, ça lag un petit peu. Donc alliance, enfin bague de corruption, on a 60 ici. Donc on va mettre 60 puisque c'est facile à faire. Parfait, 60. Les 7 critiques les gars c'est obligatoire. 7. Les dommages c'est 11 mini. Voilà 8. Ça c'est 11. Ça c'est 11. Nickel. Parfait. Les dommages c'est enfin 8 minimum les gars. Allez 8 minimum. Les résistances c'est 10 pour les gens qui PVP et tout. Ça c'est quoi ça, les dommages terre on va mettre à 11. Ça c'est 10 si on peut. Parfait. Ça c'est 11. Ah putain c'est chiant hein. C'est super chiant les gars, puisque il n'y a pas les runes les gars, genre les résistances et tout, les résistances fixes. Genre t'as tout. Ah merde les gars. Je re 2 secondes. Re les gars, donc je disais il n'y a pas les runes genre useless comme les résistances fixes, les dommages poussés et tout. Donc c'est pour ça c'est difficile. Franchement c'est difficile. C'est comme les bagues de
de guerre là. Attendez juste deux secondes les gars. On a quoi? On a les races 10. Parfait. On a quelques puits. On va l'utiliser. Parfait. Vitalité. On va mettre à 7. Bon, c'est pas grave si ça passe en crit. Allez, on crit. Yes, les gars. Donc, je vais spammer quelques runes vitalité et ce sera bon. On est bon, franchement. Oh non, please, please, please. Passe en crit, passe en crit. Yes, yes, les gars. Donc, 10, franchement, très, très bon jet. 10, 10, 11 sur 12. 7, 57. Franchement, très, très, très bon jet. Ça va partir très, très vite. Allez, on passe à la deuxième. Finalement, c'était... Enfin, j'avais de la chance. Franchement, j'avais de la chance. C'était pas horrible comme prévu, mais bon. Mais bon, on est chanceux cette fois-ci. Oh, ok, 10. Les critiques, c'est 7. Allez, quelques forces, s'il te plaît. Et ce sera bon. Non... Putain, c'est dommage, franchement, c'est dommage les gars. Est-ce que j'arrête là ou pas? Franchement, un bon jet, hein. Franchement les gars, un bon jet. 9 sur 10, on a 10 résistance, 11, 7, 55 force, 241 vitalité sur 250. Franchement, on va s'arrêter là, très très bon jet. Ça part les gars sans aucun problème. Donc voilà, voilà, allez on va checker combien ça coûte en HDV. Ta-na-na. Franchement les gars, des camas faciles à faire, sans casse-tête, tu casses plus la tête à farmer, blablabla. Bla, bla. Tu joues genre 10 minutes, 15 minutes par jour, tu peux faire 2 millions, 1 million 5, franchement, super facile. Hôtel de vente, des équipements, donc j'avais 5 millions je crois, il me reste 750 000 camas. Donc le craft les gars, c'est 4 millions 2. Allez, on va dire 4 millions de puisque j'ai acheté quelques ressources de plus. Donc c'est 4 millions de le craft. Donc ça coûte combien en HDV? 4 millions d'ondes, donc ça fait 2 millions 1. Le craft par unité. Voilà, on a 2 millions 9 les gars. 2 millions 9 le G. Franchement bon G. Un bon G, voilà, à 2 millions 9. Et celle-là. Un bon, oh non, il n'y a pas les restes, il y a 9 restes sur 10, non. Bon les gars, je casse plus la tête, je vais le mettre à 2 millions 9, voilà, sans casse-tête ni trop faire le gourmand et tout, donc 2 millions 9. Fois 2, ça fait combien? 5 millions 8, voilà, 5 millions 8, moins 4 millions 2, ça fait combien? Ça fait 1 million 6, voilà les gars, 1 million 6, 2 B9, en même pas 10 minutes, je casse plus la tête à farmer, blablabla, chercher et tout, à faire des camas, faire les doppels et tout, franchement, je ne peux pas les gars, je ne peux pas faire tout ça, alors je peux juste jouer 10 minutes et je peux faire 1 million 6 de camas, donc voilà, voilà les gars, pour la vidéo, et good luck les gars, bonne chance les gars pour... le concours de 1 million de kamas. Allez, on passe au concours. Re les gars, donc voilà, c'est le moment de tirage au sort. On a 16 participants. Juste un petit truc les gars, avant de commencer, il y a toujours un mec qui spam un commentaire. Tu donnes pas tes kamas, tu fais des faux concours. Attendez juste, voilà. Ce mec là, bon, faut arrêter de se foutre. Blablabla, des faux concours ou je ne sais pas quoi. S'il te plaît les gars. Répondez-le, il y a Foden qui a déjà gagné, il y a Saint Aegis, je ne sais pas quoi, il y a genre une semaine, je lui ai donné ses camas, s'il te plaît mec, tu peux lui répondre. Il a fait là déjà gagné, je lui ai donné ses camas, je pensais c'était pas obligé de mettre les screens et tout, mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je sauvegarde les screens quand je donne les camas et tout, donc voilà. Allez, on passe au tirage au sort. Donc, comme je disais, on a 16 participants. On va, s'il te plaît, les gars, regardez bien votre nom. On va juste, je vous laisse 3 secondes pour checker votre nom. Voilà, Phil.
Et on a Saints et Jays. On a Barucho a déjà gagné. Je me souviens bien de son nom. Je lui ai donné Sekama et tout. Donc voilà. Allez, on lance le tirage au sort directement. Et le gagnant, ça sera. Aïe aïe aïe, les gars. Le suspense. C'est qui? Da ciao, je ne sais pas quoi. GG à toi, mec. S'il te plaît, si tu regardes la vidéo, juste MP-moi sur le jeu ou bien MP-moi sur YouTube, comme tu veux. Donc, je vais sauvegarder Tekama et je vais sauvegarder votre nom. MP-moi quand tu veux. Attendez juste 2 secondes, je vais checker votre nom. Non, il est pas là. Juste 2 secondes. Voilà. Let's go. Troisième langue. Mon pseudo. Blablabla. Donc, voilà. Je vais sauvegarder votre nom. Donc, copier. Donc, voilà, les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine.